Lucien Crevillon est un homme comme les autres. Enfin, presque. Depuis son plus jeune âge, son pouce et son index ne cessent, malgré lui, de s'amouracher et de se quitter. Inlassablement. Votre enfance souffre d'un manus pinsum exacerbé. Ce qui ne fut pas sans lui poser quelques problèmes. À l'école, il était très mauvais, sauf en cours de musique. Mais castagneur n'était pas un métier. Lucien occupait désormais ses journées à faire des trous, des petits trous, encore des petits trous. Jusqu'au jour où il poinçonna le ticket de Madeleine Trognon. Ensemble, ils coulèrent des jours heureux. Mais le manus pinsum exacerbé de Lucien finit par prendre trop de place et de tissu pour Madeleine. Et c'est ainsi que le manus pinsum exacerbé de Lucien Crevillon eut raison de lui. Enfin, pour quelque temps. 30 ans plus tard, Lucien se réveille d'un long sommeil. Et il est en retard. Le monde moderne venait de rattraper Lucien. C'est ainsi que Lucien Crevillon inventa le gruyère à trous.